Parlons des enduits bitumineux. Qu'est-ce que c'est qu'un enduit bitumineux? Il s'agit d'un traitement préliminaire à effectuer toujours avant la pose d'une membrane bitume polymère. L'enduit bitumineux est un composé bitumineux à base de solvant ou à base d'eau qui est appliqué sur les surfaces pour éliminer la porosité ou pour couvrir les micro-craquelures du ciment. Les enduits sont fondamentalement trois. Les trois produits proposés par Polyglas, le polyprimer traditionnel, utilisé en quantité d'environ 200 à 400 grammes par mètre carré. Ensuite, il y a le polyprimer HP45, qui se différencie du traditionnel pour un résidu à sec plus important, et donc une quantité de substances actives plus importante. Et enfin, l'hydroprimer, un enduit à base d'eau utilisable dans les lieux où la ventilation n'est pas optimale. On conseille toujours l'utilisation d'un enduit parce que c'est fondamental pour garantir l'adhérence maximale de la membrane ou support. Une attention particulière au temps d'évaporation des solvants ou de l'eau est à la base d'un efficace travail et durable. Voilà, vous voyez le démonstrateur en train de remuer l'enduit. Dans notre cas, l'hydroprimer, un enduit bitumineux à base d'eau. Le mélange avant l'utilisation est fondamental pour que toute la masse bitumineuse crée une pâte homogène en surface. Dans ce cas, pour l'application, on utilise un rouleau. On peut aussi utiliser un système à basse pression de type airless. La quantité conseillée va de 200 à 400 grammes par mètre carré. Ça dépend de la porosité et des conditions de la surface. On va vous rappeler également, il faut respecter les temps de séchage pour que l'eau présente dans l'enduit soit complètement évaporée avant l'application du produit successif.